Wesh les rey, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, nouvelle vidéo sur MW2. Et dans cette vidéo, on va parler de la mini-back. La mini-back, c'est une SMG, c'est une mitraillette. Et dans cette vidéo, on va voir les statistiques de l'arme et on verra la meilleure classe à équiper pour mettre des petites fessées à ses adversaires. On commence avec les dégâts et la portée qui ont été énormément nerf avec le passage à la saison 2. On a 46 de dégâts dans la tête, 34 de dégâts dans le torse, 32 dans le ventre et 31 dans les bras et les jambes. Et tout ça, c'est à une portée de seulement 8,4 mètres. Donc le gros nerf, c'est notamment les dégâts dans le ventre. Avant, on pouvait tuer en 3 balles, maintenant dans le ventre, il faudra mettre 4 balles pour tuer son adversaire. Et concernant les portées, elles ont été globalement réduites. Et on a notamment la possibilité de tuer en 5 balles jusqu'à 25 mètres. Et de ce fait, je vous déconseille de challenge vos adversaires au-dessus de cette portée, puisque les dégâts vont être complètement ridicules. Concernant la cadence de tir, elle est de 652 balles par minute. Ça veut dire que le TTK, donc le temps pour tuer dans la tête et le torse, est de 184 millisecondes. Et dans les bras, les jambes et le ventre, ça va être 276 millisecondes. Concernant la mobilité, le temps de visée est de 275 millisecondes et le temps de sortie de sprint est de 110 millisecondes. Concernant les munitions, on a un chargeur de 64 munitions. Avec un temps de rechargement de 1,63 secondes. Concernant la mire, donc le viseur par défaut, il est plutôt utilisable, même si on va voir que dans le gameplay, j'utilise la lunette et dans la meilleure classe, il y aura également une lunette. Ensuite, en termes de précision, c'est une arme qui va être plutôt précise. On va donc voir la meilleure classe à équiper. On a tout d'abord pour le canon, c'est le canon BAC 9 279mm. Dans lesquels au niveau de l'ajustement on va mettre un maximum de mobilité. Pour la lunette, c'est le Slimline Pro avec un maximum de visée accélérée. Pour la crosse, c'est la crosse Markiv R7 avec un maximum de mobilité. Pour la poignée arrière, c'est la poignée TruTac, on va mettre un maximum de mobilité. Et enfin, les munitions perforantes dans laquelle on va mettre un maximum de portée des dégâts et de stabilité du recul. Au niveau des accessoires importants, on va améliorer au maximum la mobilité. Évidemment, c'est très important, ça permet de rusher beaucoup plus facilement, de challenge un maximum d'adversaires. La lunette, même si le viseur de base est utilisable, on va mettre une lunette parce qu'il n'y a pas vraiment d'autres accessoires qui vont être intéressants et on va quand même pouvoir gagner en quelque sorte en précision vu que on aura un viseur qui sera quand même beaucoup plus clair et plus facile d'utilisation. Et enfin, on a les munitions perforantes qui honnêtement ne servent pas à grand chose, sachant que de base il ne devait pas y avoir cet accessoire, mais avec la mise à jour, certes il y a eu les nerfs de la mini back, mais il y a eu un up des munitions perforantes et celles-ci n'ont aucun impact négatif sur l'arme. Et vu que, comme on l'a vu un peu plus tôt, il n'y a pas grand choix d'accessoires intéressants, et bien les munitions perforantes vont avoir leur utilité dans cette classe. Je vais donner mon avis très rapidement sur le nerf. Alors pour moi déjà, c'est une arme qui n'était pas du tout nécessaire de nerf.
Et ensuite, par rapport au nerf reçu, il y a eu une baisse des dégâts dans le ventre et une baisse de la portée. Alors, ça semble complètement détruire l'arme, mais en pratique, ça ne change pas grand-chose. J'ai notamment testé l'arme après le nerf sans savoir quels étaient les impacts de l'arme. Et clairement, je n'ai vu aucun changement. Et voilà, bah, c'est vraiment des petits changements qui sont assez situationnels et qui vont clairement pas changer grand-chose. Et je vais donc vous donner mon avis sur la mini-bac. Donc déjà, en termes de statistiques, c'est une arme qui va être catastrophique. Donc déjà, le TTK, c'est un des pires TTK parmi toutes les SMG. Ensuite, au niveau de la cadence de tir, pareil, c'est dans le pire des SMG. Et au niveau de la mobilité, ça reste dans la moyenne, même si le temps de viser est extrêmement faible pour une SMG. Néanmoins, même si le TTK va être plutôt faible, eh bien cette mini-bac va avoir l'avantage d'avoir une bonne précision. Et donc, bah, même si le TTK est faible, on va très souvent pouvoir atteindre le TTK. Et donc, bah, ça reste quand même une bonne chose, parce que la plupart des armes, même si elles ont un très bon temps pour tuer, eh bien, ce sera très rare, vu que généralement, bah, tu as la précision qui est mauvaise, et on va très souvent louper des balles, puisqu'il y a une grosse cadence de tir. Et là, avec le combo très bonne précision plus mauvaise cadence de tir, eh bien, l'arme va vraiment être constante au niveau de son temps pour tuer, donc on va très souvent tuer ses adversaires très rapidement. Et il y aura très rarement des cas où on va devoir mettre un chargeur pour tuer son adversaire. En plus de ça, on est sur MW2, donc les joueurs vont avoir tendance à camper ou à jouer de loin. Donc bah, même si on n'est pas très fort à très courte distance, eh bien on va quand même pouvoir tuer les campeurs et on va pouvoir les rusher sans trop de difficultés. Et en combinaison avec la grande capacité chargeur, on va vraiment pouvoir spammer, on va pouvoir enchaîner les adversaires. Et donc ça, c'est vraiment une très bonne chose. Donc même si l'arme n'a pas les statistiques pour rusher, eh bien vu qu'on est sur MW2, on va pouvoir rusher avec cette arme. Ce qui est du coup, certes paradoxal, mais ça reste du coup une très bonne chose. Concrètement, la mini-bac, c'est une arme qui est polyvalente et qui va être jouable et extrêmement forte pour tous les joueurs. Si tu es un joueur qui veut faire des cross séries d'élimination et atomiser les adversaires, eh ben, cette mini-bac va faire le taf. Si tu veux faire beaucoup de kills en très peu de temps, eh ben, la mini-bac va faire l'affaire. Et si tu n'es pas très fort et que tu as un petit peu de mal sur le jeu, eh ben, la mini-bac va faire son taf. Et peu importe ton style de jeu, si tu rush ou si tu temporises, eh bien, la mini-bac va déchirer les adversaires assez facilement. Et c'est déjà la fin de cette vidéo. Je vous invite à mettre votre meilleur pouce bleu et je vous invite à mettre dans les commentaires la prochaine arme que vous voulez que je fasse pour la prochaine vidéo. Évidemment, on se rapproche de la saison 3, donc les nouvelles armes de la saison 3 seront prioritaires, mais les armes que vous allez proposer dans les commentaires seront prioritaires par rapport aux autres. Et je vous invite également à vous abonner. Et en attendant la prochaine vidéo, je vous dis bisous bisous.